L'Argentine a remporté sa deuxième Copa América consécutive en battant la Colombie 1-0 lors de la finale disputée dimanche aux États-Unis d'Amérique. Il a fallu attendre les prolongations pour voir l'unique but de la partie inscrit à la 112e minute par Lautaro Martinez, entré en jeu 15 minutes plus tôt à la place de Julio Alvarez. Ce trophée constitue le troisième titre majeur consécutif de l'Albicéleste après la Copa América 2021 et la Coupe du Monde 2022. Cette victoire argentine met fin à une série de 28 matchs sans défaite pour la Colombie, qui s'était d'ailleurs inclinée face à la même équipe en février 2022. L'Argentine égale ainsi l'Espagne, vainqueur des championnats d'Europe 2008 et 2012, en passant par la Coupe du Monde de 2010. Le capitaine Lionel Messi est sorti sur blessure à la 64e minute de cette finale, qui avait débuté avec 1h30 de retard en raison des troubles du public au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride. A noter que Dibu Martinez a été élu meilleur gardien du tournoi, Lautaro Martinez termine meilleur buteur avec 5 réalisations et le Colombien James Rodriguez a été désigné meilleur joueur de la compétition.